Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 14 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, une planète joyeuse aujourd'hui, eh bien c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Il n'y a jamais de mauvaises nouvelles, puisqu'il y en a toujours de bonnes le lendemain. Oui, ce titre est un clin d'œil à celui de la veille, où je me posais la question, qu'est-ce qui rentre encore dans la catégorie des mauvaises nouvelles? Bah, a priori, pas grand-chose, et surtout pas une inflation à 5,4 ou une inflation hors énergie à 4%. Et pourquoi n'était-ce pas une mauvaise nouvelle? Bah, tout simplement parce que le lendemain, il y en a toujours de bonnes. Et là, on découvre que les prix à la production se sont très assagi au mois de septembre, avec plus 0,5%. Bon, ça reste quand même une inflation forte, mais on attendait 0,6%. Mais, divine surprise, hors énergie, le PPI, l'indice des prix à la production, n'a augmenté que de 0,2% au lieu de plus 0,5%. Alors, immédiatement, je me suis précipité sur mon tableau T-bond américain, toute échéance confondue, de 3, 5, 10 ans. Et là, ma grande surprise, ça bouge pas. Alors qu'hier, après les chiffres de l'inflation, très fort, supérieur aux attentes, les taux longs américains s'étaient détendus de 4, voire 5 points. Je vous avoue que j'avais ouvert des yeux grands comme des soucoupes, et c'est pourquoi j'avais intitulé ma chronique quotidienne existe-t-il encore de mauvaises nouvelles? Donc, franchement, quand vous voyez ce genre de scénario, vous vous demandez s'il n'y en a pas qui travaillent avec les chiffres du lendemain. La Fed, de son côté, a publié ses minutes, le compte rendu de sa précédente réunion de politique monétaire. Alors, confirmation, il y aura bien un tapering, probablement dès mi-novembre, dès sa prochaine réunion. Mais aux surprises, les membres de la Fed ne sont pas d'accord sur le caractère durable et inquiétant de l'inflation. Tiens, justement, on y revient. Alors, comment est-ce que les membres de la Fed qui parient sur une inflation transitoire peuvent-ils justifier leur anticipation d'une contraction de l'inflation dans les prochains mois? Il semblerait tout simplement que ça soit une sorte de prophétie autoréalisatrice. En fait, si on commence à faire du tapering, il y aura moins de liquidités en circulation, donc peut-être moins de croissance, et du coup, les prix devraient s'assagir. Ouais, mais est-ce que ça, on peut considérer que c'est vraiment une bonne nouvelle pour les marchés? Bon, on verra bien. Ce jeudi, c'est aussi une séance un petit peu particulière, puisque nous sommes à la veille des trois sorcières. Eh oui, elles sont proches du début du mois. Demain, c'est le 15. Eh oui, parce que le premier vendredi du mois, ce fut le premier. Et donc, nous sommes le troisième. Et là, on peut dire aussi que le schéma redevient classique. C'est-à-dire qu'à la veille des trois ou des quatre sorcières, on tire les indices. Bon, l'exception remarquable, ce fut les quatre sorcières du 17 ou 18 septembre dernier, où les cours avaient fortement baissé, et y compris d'ailleurs juste au lendemain, des quatre sorcières. Souvenez-vous de cette séance du 20 septembre en forme de trou d'air, dont on a eu du mal à se remettre. Eh bien, figurez-vous que ça y est, à Paris, grâce à une hausse de 1,10% aujourd'hui, on est revenu au-dessus des 6650, on a effacé tout le terrain perdu depuis le 20 septembre dernier. Et le CAC 40 à 6666, eh bien, il revient aussi sur son zénith du 16 juin dernier précisément. Voilà, donc
La mauvaise nouvelle de l'inflation hier est chassée par une bonne nouvelle sur une statistique de même nature. Et désormais, donc, ce sont les habillages de bilan, de fin d'échéance mensuelle, qui prennent le relais. Et si le CAC 40 se retrouve aujourd'hui à 6666, peut-être que ce sera simplement une sorte de petit feu d'artifice, une petite bouffée d'euphorie. Mais si ce n'était pas le cas, le CAC 40 serait sorti de son canal baissier inauguré sous les 6930 mi-août. Ça serait donc un événement majeur, la sortie du CAC 40 de son canal baissier moyen terme, avec eh bien, pas beaucoup de résistance avant les 6780. Ça pourrait nous valoir un beau vendredi ou une belle entame de mois de novembre, avec un mois d'octobre qui se terminerait de façon positive et qui ferait donc mentir l'adage et la mauvaise réputation du mois d'octobre. Mais voilà, on avait commencé avec des mauvaises nouvelles, et voilà que les bonnes arrivent. Et je ne vous parle même pas des résultats des valeurs bancaires. Au miracle! Allez comprendre pourquoi les bénéfices progressent de 40 à 50% grâce à la bonne tenue des marchés financiers, grâce à la hausse de l'activité crédit et l'activité fusion-acquisition. Ah ben tiens alors, c'est pas comme si les banques centrales avaient aidé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, on vous retrouve demain pour notre live dès 11h30. À bientôt.